Alors, quand avec Dominique, on regarde les films, quand on commence la sélection, généralement, et toujours d'ailleurs, on les regarde dans une salle de cinéma avec un grand écran. C'est-à-dire qu'on ne regarde jamais aucun film sur un lien ou quoi que ce soit. On les regarde comme vous allez les regarder. Et puis, tout d'un coup, après, on fait notre sélection en fonction des films. Et moi, évidemment, je suis toujours à l'affût d'un film musical, parce que je pense au ciné-concert, je pense au théâtre. Et là, on est tombé sur une pépite qui s'appelle Tralala. C'est une très belle histoire. Je ne vais pas vous la raconter. Pour ça, il y a Arnaud et Jean-Marie Larrieux, les deux réalisateurs. Et les formidables acteurs, Mélanie Thierry, Jeanne Chéral, Bertrand Belin. Et des grands spécialistes musicaux que j'avais rencontrés au festival des Sœurs Jumelles, Renaud Létang et Aladin Létang. Ils vont vous raconter, pas l'histoire du film, mais comment ils l'ont fait, les réalisateurs. En deux phrases. D'abord, on est très content d'être ici, de présenter le film devant, j'allais dire, un vrai public à Angoulême. Comment on a fait le film ? J'allais dire, ça commence peut-être de la musique jusqu'aux chanteurs, jusqu'aux actrices. On a toujours voulu faire une comédie musicale. Je pense que ça fait un moment que ça traînait dans nos têtes. Il y a Jacques Demy qui pointait l'idée que quand on fait une comédie musicale, c'est bien de la faire en province. Cherbourg, Rochefort, nous c'était Lourdes. C'était évident que c'était Lourdes. Sans pardonner. Et puis on avait envie qu'il y ait plusieurs compositeurs, compositrices qui s'occupent de la partition de chaque acteur, chaque actrice. Donc c'est... Et on disait souvent, les chansons ne descendent pas du ciel, mais éventuellement elles y montent. Grâce aux acteurs et aux actrices qui les portent. Voilà, moi je pourrais m'arrêter là. Juste le titre Tralala, on l'a trouvé en se disant, on va faire une comédie musicale, mais quel genre de comédie musicale on va faire? Et on s'est dit, on va faire une comédie musicale sans tout le tralala. Donc il y a quand même du tralala, mais il n'y a pas tout le tralala. Voilà. Alors Jeanne Chéral, qu'on va retrouver demain, qui nous fait l'honneur d'avoir concocté un concert tout à fait exceptionnel, puisqu'elle ne chantera que des chansons de films qu'elle a aimées. Elle vous expliquera pourquoi. Et Jeanne a composé pour Mélanie. Alors Jeanne, racontez-nous comment vous avez composé les chansons du film. Avec toute l'admiration et la tendresse que j'ai pour Mélanie Thierry, déjà. Et puis, c'est vrai que quand on écrit pour les frères Larrieux, on est hyper drivé parce qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et ça a été un vrai bonheur de me plonger dans cette histoire et dans cette fantaisie. Et j'avais envie d'écrire quelque chose d'assez sensuel pour Mélanie Thierry. Puis on a travaillé un tout petit peu toutes les deux. Enfin, on a chanté un petit peu ensemble et c'était un grand bonheur quoi, d'unir nos voix. Et puis Mélanie aussi, j'ai l'impression, c'est peut-être découverte en tant qu'interprète. Enfin, elle dira le contraire, mais elle m'a complètement bluffée en tant que chanteuse. Voilà. Mélanie, alors jouer, chanter, ça fait partie du rôle de comédien de toute façon. Non, mais déjà, j'étais étonnée, j'étais émue qu'ils viennent me chercher parce que je ne pensais pas être dans leur zone. Ils proposent comme ça un cinéma tellement insolite et révélateur, tellement de fantaisie et de poésie et qui s'éloigne tellement du réel. Et moi, j'ai tellement l'impression d'être concrète parfois que je pensais que j'étais, oui, pas dans leur zone. Et là, cette proposition de devoir chanter et danser, c'est tellement heureux, c'est tellement joyeux. En plus, moi, mes parents, ils m'ont toujours dit que je chantais vraiment, mais on me demandait toujours de me taire quand j'étais à l'arrière de la voiture et qu'on partait en vacances. Et puis, en plus, je vis avec un chanteur, alors c'est compliqué pour moi de pousser la chansonnette. Je ne vais pas le dire, mais il faut vraiment se planquer. Alors là, tout d'un coup, je me suis dit que c'était permis, que j'avais une chanson qui était faite sur mesure, que
On m'autorisait même à chanter faux parfois. Et c'était très léger. C'était un premier jour de tournage en chantant et en dansant. Et je dois dire que c'était un tournage merveilleusement heureux. C'était voilà. Le premier jour, dès le premier jour. C'est, le premier jour, c'était la chanson dans la boutique. Vous verrez. Ah oui, c'est vrai. Alors Bertrand Belin, lui, il était chanteur, donc. T'as un micro, Bertrand. Donc c'était pas compliqué. C'était pas compliqué de composer, de chanter dans ce film pour vous. Non, bien sûr, oui, c'était vraiment tout ce qui est le plus facile. Hein. Ouais. Après, il fallait. Évidemment, jouer. Ça c'est. Non, non, mais c'est-à-dire que oui, c'est vrai que je chante dans ce film et que je me retrouvais, c'est vrai, avec au moins la moitié du paysage qui m'est coutumier, en tout cas dans la perspective comme ça de mes nerfs, je me disais, bon, je sais faire un peu quand même, jouer des chansons, jouer de la guitare, ça devrait aller. Pour le reste, en revanche, qui est quand même la partie, au moins, je dirais une partition au moins égale dans le film, où j'ai quand même des scènes avec des acteurs que je vois au cinéma depuis plusieurs années, et qui tout à coup se retrouvent en chair et en os. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Donc, je ne dirais pas que c'était vraiment d'emblée, je n'ai pas pensé comme quelque chose de facile, mais il est vrai qu'arriver dans l'équipage, quand on arrive sur le lieu de tournage, et puis après avoir déjà en amont un peu travaillé avec Mathieu Amalric sur les chansons, et puis des conversations avec les metteurs en scène Arnaud et Jean-Marie Larieux, je me suis trouvé, disons, rassuré, quoi, et j'ai été bien accueilli. Je vous remercie d'ailleurs. Et les deux spécialistes musicaux, quel a été votre rôle dans cette comédie musicale? Un autre rôle, ça a été un peu de rassembler toutes les musiques et de rendre le tout le plus cohérent possible. Ce qui a été vraiment très intéressant dans ce film, pour moi en tout cas, ça a été la possibilité de voir et de pouvoir travailler sur plein de styles musicaux différents. Je crois que c'est une des premières comédies musicales qui n'est pas genré, ça veut dire c'est pas cha-cha-cha ou bossa ou je sais pas quoi. Là, ça touche à plein de musiques, à plein d'univers, et donc c'était hyper enrichissant à faire. En plus, avec toutes ces personnalités, le fait que Jean-Marie Arnaud ait pris un compositeur par personnage, ça a rendu le tout extrêmement personnel. Chaque personnage avait son univers, donc j'ai essayé de garder tout ça. Et voilà. Et on a avec Aladin, on a arrangé, on a composé ce qui manquait, quand il manquait des choses, voilà. En tout cas, moi je trouve le résultat très réussi, j'adore ce film évidemment. C'était comme dans vos rêves, quand vous l'avez vu, fini? Non, c'était comme dans nos rêves dès le début, surtout que la période n'était pas propice aux rêves, donc le rêve était encore plus fort, on va dire. Non, non, mais les chansons, c'est, je sais pas comment on va pouvoir tourner des films sans continuer à ce j'espère que ça chante. Que non, que parce vous allez que continuer à faire des comédies. Les chansons sont déjà en amont du film. Elles portaient tout le monde, que ce soit l'équipe, les comédiens. C'est très fort et très beau. Ouais. Donc on va regarder le film, et puis après il y a un genre de petite surprise. Vous avez vu. Bonne projection. Merci. On t'oubliera, ça, on sait faire ça, mais pour l'heure, pour notre bonheur, soigne tes adieux, tu veux, il n'y a rien pour seulement le beau geste, seulement.